Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On a encore respect pour la énième fois. On est passé du coup sur électricité, foudre, chaîne de foudre, chaîne d'éclair. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ça a l'air pour le moment d'être un peu plus équilibré que tout à l'heure. Ah non, oh, je fais des dégâts là. Je croyais que je ne faisais pas de dégâts jusqu'à présent, mais là, j'avoue que les dégâts sont présents. Ah oui non, les dégâts sont très présents même. Je suis passé aussi à éclair. Je sais pas trop ce que ça va donner. Oh c'est bien. J'attaque pas très vite malheureusement. Ok oui non, en fait c'est très très bien comme build comme ça. On va apprendre à le jouer mais c'est déjà beaucoup mieux. J'ai besoin de temps pour préparer. On va quand même garder nos is, on est en A2 et c'est gratuit. Ah oui non, l'AOE est monstrueuse. Je ne suis pas encore prêt. L'AOE est incroyable. Très très bien ça. Secours. Invisible. Eh bah YouTube, c'est pas mal ça, n'est-ce pas? Bah bienvenue dans ce nouvel épisode d'ailleurs de Diablo. J'espère que tu vas bien et que tu passes un bon moment. Moi ça va, le respect a été total et absolu. J'espère que tu apprécies Diablo tout autant que moi. Et bah on est reparti pour une session. J'ai besoin de temps pour préparer ça. J'ai les doigts qui collent du coup. Tester la nouvelle Soda Stream. C'est pour ça que j'étais parti. Et oui, YouTube. C'est afin de faire des économies et d'arrêter de consommer du plastique. En veux-tu, en voilà. J'avais une ancienne Soda Stream avant, mais elle était pourrie. Et là, on a acheté une belle. Dis-moi ce que tu penses des Soda Stream, YouTube, dans les commentaires. Je ne suis pas. Est-ce que tu trouves que c'est bien pour l'écologie ou pas? Je trouve que c'est quand même sympathique. Oh oui, non, les dégâts sont total et absolus, là. C'est très très beau. Comparé à l'autre build, là, on est yimbe. Ah, le build conjuration, du coup, pas fou, hein. Pas foufou, hein. Et je savais que je voulais faire un truc élémentaliste à la base et surtout éclair. Oh les dégâts, les dégâts! Les dégâts les amis! OMG les amis! Comme on dit dans le milieu. Grave. Une nouvelle ville, très bien. Vous aussi, vous avez marché jusqu'ici hein? Oui. Je l'ai prié pour nos pieds. Ouais. Ce pèlerinage ne les a pas épargnés. C'est gentil de votre part, mais ce n'est rien de grave. J'ai été stupide de me rendre dans la vigie de la lumière. L'endroit grouille de monstres. Ah bah ça... Je voulais juste... Je suis sûr que ma mère, Soliana, était en poste là. L'église protège cependant jalousement ses archives. Les chevaliers de la pénitence ont sûrement... Le pénitent le passe. ...sur place. Pas d'inquiétude. Je m'en charge. Très bien. Je sais seulement que c'était jadis un bastion des chevaliers de la pénitence. L'ordre sacré de la cathédrale, dont les membres patrouillaient les routes et châtiaient le mal. Enfin, jusqu'à ce qu'ils partent en croisade. D'accord. Prends le TP et ensuite... On part avec l'autre bouffe. Il est là. Bouffe! Oui. Les ténèbres menacent de fondre sur nous à tout moment. Nous devons de lutter pour les tenir à distance, même de justesse.
D'accord. À l'époque où les chevaliers de la pénitence arpentaient encore ces bois, ils érigeaient d'immenses brasiers sanctifiés pour repousser le mal. Il y en a un, non loin. Si vous souhaitez nous aider à repousser les ténèbres, vous pouvez l'allumer. Ils ont pas l'air très innocents, les gens, là. Je vois. Notre jeune frère a donc échoué dans son pèlerinage au monastère. Voilà qui est fort dommage. Mais il s'en sort mieux que la plupart d'entre nous. La mort par les crocs, les griffes, le froid... Le guichet. Le corps impie ne mérite pas mieux. D'accord. Ah, c'est joli. De Kyurashad, mon ami. Bien loin de son regard ou de ses préoccupations. Mais le père voit notre lumière brûler depuis le sommet de son glacier. Il sait que Margrave ne souffrira d'aucun mal. D'accord. La plupart étaient des bandits, des meurtriers. D'autres étaient des êtres explosifs. De bonnes personnes vénérant la lumière, qui rejoignirent le mal. Nous ne devons pas subir... Vous voyez maintenant. C'était des chasseurs du coin. Avec mon frère Peyton, ils ont guidé des marchands à travers le col de la montagne, mais des bandits les ont attaqués. Les chasseurs pensent que Peyton les a piégés, mais ça ne peut pas être vrai. Il n'est pas très pieux, mais il ne ferait jamais une chose pareille. J'aimerais partir à sa recherche, mais les bois sont hostiles. Puis-je peut-être vous engager comme garde du corps? Bah écoutez, oui. En plaisir. Oui. Merci. Avant de partir, nous devrions nous renseigner en ville. Il est peut-être revenu par ses propres moyens. Non. Il est mort. Il est mort de décès. Non, non. Peyton fait tout pour m'éviter. J'en ai peur. J'espère qu'il prie quelque part pour son propre salut. Cela fait longtemps qu'on a renoncé. D'accord. Ça se passe mal pour le moment. Hein. Ce fauteur de troubles ? Ah, il n'est pas très aimé. Mais que faites-vous ici ? J'ai des questions à lui poser. Avec tous les morts là, on soit à table. Je crois que pour le moment, Peyton n'est pas très aimé, hein, mon ami. Hein. Pourquoi ? Pour enfin appréhender la menace ? Il est parti avec ses marchands païens il y a quelque temps. Je ne l'ai pas très aimé, hein. C'est bien ça. Par la lumière, j'espérais. Les marchands sont tombés dans une embuscade au campement juste avant le col. Nous devrions chercher là-bas. On y va, on y va. On y va, j'ai respé, c'est bon. Ça, non? Vont facturer et piller. Je ne voulais pas le croire. Mais j'ai déjà vu ces cicatrices par le passé. Peyton, il est. Peyton. Je crois qu'il a fini par rejoindre leur bande. Je dois le trouver. Il est allé trop loin. Et oui, Peyton, salaud! Détourné de la vie. Il détourne la lumière, salaud! J'ai besoin de temps pour préparer ça. Salaud! On doit y être. Allons-y. Je suis. Allez, échappeur coupe-gorge. Allons-y. Alonso.
ne peux plus fermer les yeux sur les agissements de mon frère. Ah bah ça. Oh, lumière. Donne-moi la force d'administrer ta justice à mon propre frère. De la cathédrale. J'ai une bague. Elle est mieux la bague ? Ah, pas de chasse. Nick. Dommage. Par contre, level 4. J'ai déjà level 5. Level 4, ce sera bien. Oh, the Wardzy ! Non, les dégâts sont quand même vraiment meilleurs. Va pas sortir du cul pour chier droit. Je ne suis pas encore prêt. Oh, la ragdoll. Oh, la ragdoll. On a vu, hein. Je ne suis pas encore prêt. Faut la clé, j'ai pas la clef. J'ai besoin de temps pour te faire. Je vais passer au centre. J'ai besoin de temps pour te faire. Score. Non ! Première mort. La première mort, terrible. Il est décédé. La première mort. Oh non, j'étais jamais mort jusqu'à présent. Oh. Heureusement, j'ai pas remis en hardcore. Hein. Ça aurait piqué. Hein. Bravo pour ta première mort. Bah oui, hein. Je faisais pas attention, hein. Bah oui, hein. Super, hein. C'est pas grave, ça arrive. C'est pas grave. Pourquoi j'ai fait ça ? Idiot. Allez. Avançons. On va lui faire sa fête à son frère là. Je n'ai pas assez de. À court de mana, une fois de plus. Je ne suis pas encore prêt. N'importe quoi. Scure. Je fais n'importe quoi, scure. Je ne suis pas encore prêt. Je suis à court de ma marque. Je ne suis pas encore prêt. Flipendo. Ce sera le nom de cette VOD, Flipendo. Eh bien. Je ne suis pas encore prête.
plus beaucoup de mana. 300 de... 300 ? J'ai besoin de temps pour préparer ça. C'est ok, en vrai... Ouais, ça va, ça va, ça va. En vrai, ça va. Petit boss. Je ne suis pas encore fini. C'est chiant, ça branle qu'elle avance alors que je lui dis pas d'avancer quand elle attaque. C'est très très chiant. J'aimerais pouvoir faire en sorte de faire quand même un PE au 10 et attaquer sans avancer, ce serait tellement mieux. Deitan, bon sang, mais où es-tu ? Ah non, ça pue. Hein. Fais moins de dégâts que tout à l'heure déjà. Je ne suis pas encore. Ah merde, je vais dans le piège, idiot. Flipendo. Lactan, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que t'as fait? Tu as pu tomber aussi bas? C'est pas bon. Margrave demande justice, ma sœur. Je demande justice. Ils m'ont dit que ce serait simple. On devait prendre leur or, puis les laisser partir. Bah non, hein. Personne n'aurait dû être blessé. Je n'ai tué personne. J'ai fui. Ils m'ont puni pour ça. Tu dois me croire. Tu ne convaincras jamais les autres. On ne peut pas retourner à Margrave. Peux-tu marcher ? Lactan. Ces tunnels servaient à la contrebande, non ? Suivons-les vers le sud. Allons là où personne ne nous connaît pour tout recommencer. Merci Allez. Pour tout. C'est un idiot, mais c'est mon frère. Ouais. Je peux compter sur vous pour ne pas divulguer l'endroit où nous allons. Bien compris. Bien sûr. Qu'est-ce que tu m'as fait, là ? Il est fou, lui. Salaud. Très bien. Eh bien, cassons-nous. Bravo à tous. Les liens du sang a été fini et nous allons avancer du coup sur la quête principale comme nous l'avions prévu. J'ai des choses à vendre là déjà. Hein. Un petit truc à vendre. Tu sais que ça ? Un home. Il donne une hydre supplémentaire. Bon. C'est pas trop, hein. En plus on l'a amélioré en deux. Pensant qu'on allait la garder avec nos hydres et qu'on allait rester conjuration. Non. Non. Venez voir mes pierres précieuses. Elles ont l'éclat de la lumière. Très bien. J'ai rien d'autre.
Très bien. Très bien. Fort bien. Allez. Du coup. Ça, c'est mieux. On perd l'hydre, mais on s'en fout. L'hydre, il revient en rang 1. Ça aurait été gratuit, en vrai, mais... Mais bon. On perd un peu de... On perd un peu d'intérêt. Oula, qu'est-ce qui se passe? Allô? Ça drop, là, non? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un énorme drop. Au secours? Oh, il y a un master drop. C'est bon? Ah, mais dans le jeu, il y a un drop, là. Dès que je suis dans le jeu, non, c'est bon, c'est revenu. Oh, désolé, j'espère qu'il n'y a pas ça sur la VOD YouTube. Fichtre. Moult drop. Je l'ai amélioré en deux. Oh, fichtre. Nuc. C'est pas grave. Ah, ça a salement droppé, ouais, on est d'accord. Hein. Désolé. Ouais, j'ai amélioré ça du coup. Vous avez autre chose? Oh. Oh mais je vais garder en fait. Je vais récupérer des choses avec. Hein? C'est, je suis full, du coup c'est bien. D'accord. Elixir, essence au poison. Très bien ça. Que le père vous bénisse. De quoi avez-vous besoin? Ah, du cœur supérieur, merci. Je peux toujours pas améliorer ça, là? Ah si, voilà. Du cœur supérieur. Je peux améliorer ça, quand même. Pas mal, hein, pas mal. C'est toujours gratuit, hein, c'est bon. Oh, tous les objets, bah oui, du coup, est-ce qu'on est, on est mort. Fuck. Oh. Ça fait un diamant brut. Les meilleures armures des pics. C'est de la merde tout ça. Je reconnais. Eh ben génial. 76 de dégâts. Est-ce qu'on a de quoi améliorer du coup une gemme? On va builder après on avance, hein, promis. Hein. Diamant, bah oui, voilà, diamant brut, voilà. Compétence ultime. Compétence ultime, je pense que c'est le truc tout en bas. Et plus 5 à toutes les résistances. Donc ça, on va mettre dans un... Ça, c'est résistance façon foudre. Poison, oui, c'est ça, hein. 105 d'armure. Non, on va mettre des résistances ici. Arme. 15. 5 points. Compétence de base. 12% de compétence de base en plus. Sur arme. Il y a sur la durée. En vrai, là, on n'en fait pas trop. Épines, je sais pas ce que c'est les épines. Dégâts du subi sur la durée. Hop là. Maximum de vitalité.
Plus d'armure. Et enfin... C'est quoi les épines ? En fortification. C'est que ce bordel. Les épines. Je sais pas ce que c'est, mais des épines. Une autre fois alors. Oui, bah ça du coup. Comme ça on a 4% de vie en plus. Et ça on y range. Hein, et puis voilà. Hein. Cela. Hein. 76, c'est ok. Ça drop plus là, c'est bon. Je sais pas ce qu'il a eu le PC. Hein. Ouais, il y a de l'air froid qui rentre. Après, il fait un peu chaud dans mon bureau, mais bon, quand même. Machine de course là qu'on a. Petit 9 là. Je vais en faire un là, ça fait brut. On est 3. Qu'est-ce qu'il me dit? Bah, elle a voulu m'arnaquer l'autre. Non, il était équipé. Peut-être pour ça. Oh, t'as aimé Maraké ? Saphir, voilà. C'est ça qu'on veut. Très bien. Bah du coup, ici. Essence au froid. Ah non, j'ai mis le crâne, je suis con. C'est bon. C'est bon, il sait pas ce qu'il fait, il est ivre. Non mais là ça va le faire, là j'en suis sûr. Tout va être ok. On en a deux, énorme. Tu sais, dès qu'on en aura trois, on pourra faire encore un truc meilleur, j'imagine. Alors, ah, oui, je récupère 10 000 pièces d'or, une capacité de la potion, énorme. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Très très beau. Allez, nous avons plusieurs choses. Acte 1, acte 2. Bah, on a toujours pas fini acte 1. Les zoos, hein, acte 1. Hein. Faut aller où? Faut aller si loin. Pas un truc plus près. Et voilà, là. C'est par là, ça. Rebelle. Allons à quart corps machin. Allons-y. Avançons à la quête principale. C'est parti, YouTube. On fait des choses cette vidéo, enfin. Youpi! Et aussi sur twitch.tv/MrBaptiste. Youpi! Avançons. Est-ce que ça va, vous? Est-ce que vous allez bien dans vos parties? Moi, ça va. On avance. Ce qu'il veut, lui. Vous le voyez? Vous aussi? Le fantôme de Corik, mon fils. Non? Quand il était petit. Trop pris, frère, t'es Faya. Depuis, il me... Il Faya le... Il m'appelle, me supplie de... Je ne sais pas combien de temps encore je le supporterai. Je vous en prie. Je vous paierai. Faites qu'il repose en paix. Oui, d'accord. Père... C'est... Non. Non. Oui, là, le fils. Non. Tu es mort. Père, pourquoi tu viens pas me voir? C'est non. Ils t'ont emmené pour ce que tu as fait. Tu... Père, s'il te plaît... Oh, j'ai plus de... Je t'attends. J'ai plus d'attaque, j'ai plus rien. Va-t'en. Va-t'en. Je t'en prie. Et j'ai plus d'hydre du coup. J'ai tout viré. Très bien. Ah désolé, pas le temps, faut que j'avance dans ma quête. Hein. Je vais sauver l'humanité, moi, vous savez.
Ah, c'est que ce truc rouge. Les ennemis, ça, je reconnais. Je ne suis pas encore prêt. Je dois avoir 5 potions énormes. Le flipendo là, il fait zizi. Là, il est lié. Ah, c'est moins bien. Puis je l'ai amélioré celui-ci, quel idiot. C'est une nouvelle zone ça, non? Tu sais que tous ces bouffes. Cage de l'exorciste. Ah oui, il y a tout ça à faire. Oh. Non. Cette quête. Asile noir. Cri d'innocence. Ah mais c'est sur la route aussi. Oh. Terrible. Y aller parce que faut, mais bon, voilà quoi. Petit donge. Petite ambiance là quand même, hein. Petit loot ? Hein ? Coric Trost. Ah bah, Dieu. Flipendo. Je n'ai plus beaucoup de mana. Besoin de temps pour préparer. Flipendo. Métis brut, oui, c'est oui ça. Je ne suis pas encore. Porte, mais il faut la clé. La clef. Où est la clef, Harry? Je suis à court de mana. J'ai besoin de temps pour préparer cela. Émeraude. Les secondes, hein. J'ai besoin de temps pour préparer cela. Je n'ai plus beaucoup de mana. Avant, je me fasse full mana. Hein. Full mana, full mana, full mana. A menti. Hein? Il n'y a jamais eu le courage de m'affronter. Non mais ton père il... Ah, de faire l'enfant. Père a menti. Ah non, il a pas menti, père. Ah, t'es mort. Ah. J'ai besoin de temps pour préparer cela. Adieu. C'était cadeau, hein. C'est sur la route, des petits diamants bruts en plus. Allons-y quoi.
mitraille. Je ne suis pas encore prêt. Vraiment. Très bien. Treuil. Hein? Mais non! Mais. C'est vrai. Il est trop sensible, mon clavier! Je n'ai pas assez de mal. Mon clavier est insensible! Alors, il est éternu, au secours. Je suis éternu en ce moment. J'ai besoin de temps pour préparer ça. Aïe. Ça va, oui. J'arrive du coup à avoir un objet qui fait que j'ai plus de fouet de foudre là. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Potence ultime. Courant instable. Oui, c'est ça qu'il me faut en plus. Courant instable. Un sur un. Ah voilà. Hein. Gif c'est bien mais ça met du temps à charger. C'est puissant. Allez, une minute pour Oh là. Je ne suis pas encore. Je suis à court de ma marque. Terrible ça. Si long, mais si puissant. Besoin de temps pour préparer. Faut vraiment beaucoup de mana. Je fais mon attaque ultime là. Oh. J'ai besoin de temps pour préparer ça. Oh, je voulais pas. Je l'ai fait. Je l'ai fait quand même. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai besoin de temps pour préparer ça. On est sur un full clean là, il faut full clean le donjon. La sibilanté soit terminée. Attends,
suis à court de mana. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Très bien. Très bien, faisons comme ça. J'ai besoin de temps pour préparer. Tellement les gens. Ils sont pas. J'ai besoin de toi pour préparer ça. Non, je voulais pas faire le clan. Je ne suis pas encore prêt. Encore beaucoup, putain, mais il y en a tellement. J'ai besoin de toi pour préparer ça. J'ai besoin de toi pour préparer ça. Eh ben, mon Dieu. Si, mais cool en vrai. Ah, allez. Petite émeraude. Très bien. J'ai besoin de temps pour préparer ça. Encore 24. Et il en a 19 et il en a 24. Oh, je les déteste. Ça n'en finit donc jamais. Je ne suis pas encore prête. J'ai un bille, j'ai un fait. J'ai besoin de temps pour préparer ça. Je ne suis pas encore prêt. Je suis à court de mana. Je ne suis pas encore prêt. Oh, un anneau légendaire. C'est bon. Encore un. Ouf. Incroyable de mes deux. J'ai
besoin de temps pour préparer cela. Bravo. C'est un nom légendaire, Dory. C'est rentré en temps. Une barre activée. Plus 40 de vie, ça dégage. Des résistances, c'est cool. Coup de critique, c'est cool. Ah, c'est mieux. On va mettre ça en attendant. Ça aussi, c'est bien. Il y a une chasse, quoi. Lui, il n'y a pas de chasse. 25 d'armure. Est-ce que vraiment on les voit, les 125 d'armure? Pas vraiment. Ok. Ah bah non, ça marche pas. Cassos ? Alors le père là, Dieu le père, on va lui dire c'est bon. Ton pio il est mort. Puis voilà. On va faire mieux. Hein. T'es parti en prison, et pourquoi il était en prison? S'il a fait des choses horribles? C'est ce que j'ai compris. La prison est pas mal, hein. La prison est très bien designée, je trouve. Bah, tout est très bien designé en fait dans le jeu. C'est-à-dire ce qui est très bien construit. On fait une quête secondaire plus un donjon. On est heureux et on a eu en plus de ça du légendaire. On va pas trop se plaindre, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ultime fait du bien. Je ne suis pas encore prêt. J'ai dit quoi? La quête secondaire, la quête principale? Non, j'ai dit qu'on faisait la quête secondaire, c'est ça? Je sais plus. J'ai dit qu'on allait faire la quête principale et là c'est complicado. Hein. J'endure celui. J'endure celui. Ah oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. En plus, il y a deux chasses. J'ai pas mon mur de feu. Oui, c'est lui qui donne le mur de feu, mais je m'en fous. Moi, je m'en fous, bouffe. Donne-moi ton âme. Je ne suis pas encore prête. Ici, là. Il est mort. Pourtant, je le sens toujours. J'entends toujours ses cris. Mais non. Je ne serai jamais libéré de la vérité. J'ai fait payer à mon bébé le prix de mon propre péché. Tout ce sang est sur mes mains. Que les cieux me pardonnent. Je dois aller voir mon fils. J'arrive, Corrick. Ah, tu veux quand même y aller ? Mauvais plan, hein. Et qui décide, hein. Pas de problème.
Allez, on retourne en ville vite fait pour vendre et enlever du coup nos gemmes et tenter d'en faire d'autres aussi. Après, on avance enfin dans la quête principale. Normalement, hein. Peut-être qu'un jour, c'est pas, hein. On verra. Oui. Et voler. On va faire qu'une émeraude. Terrible ça. C'est terrible. Les épines, qu'est-ce que c'est que les épines, bordel de merde. C'est toujours pas, hein. Que la lumière vous protège. Oui, non, tout ça, on s'en fout. Y'a rien de bien intéressant, en plus. Non, y'avait rien, j'ai déjà regardé. Ah si ! Le Chris ! Ouais, mais je l'avais augmenté, level 3. Ah. Oh. C'est re-moi. Une autre fois alors. Oh mais 10 000 ça se vend. 10 000. 10 000. Sans jouer d'autres objets. Hein. Combien lui ? 4000, il se vend. Plus on va avancer, mieux ce sera. Bon, voilà quoi. Bon. Récupérons du matos. Ouais, on peut rien récupérer en matos. Mais c'est la merde. Pas super. Puis-je vous être utile ? Toute la merde. 10 000 boules. Belle affaire. La paf, je la vends. Et je m'en veux toute ma vie. Elle aussi, du coup. Hein. Salutations. T'es pas ouf en plus. Vous avez autre chose ? C'est bien avec 3, ça, non ? Eh oui, paf, 10 000. On fait plus de dégâts, effectivement. Effectivement. C'est un peu mieux. Mais déjà de l'armure, des soins reçus et mais du coup c'est pas très utile. Et ça, hein. Réduction des dégâts. Qu'est-ce que ça donne, hein. On verra bien. Je vais peut-être améliorer l'anneau que j'ai eu là. L'anneau légendaire doré. Yes. Ok. Revenez nous voir. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais venir voir. Hello. Stuff, il y a du stuff. Stuff, hein, y'a rien. Y'a rien, y'a rien. Ok, ben du coup, on est ready to go. On a gagné un peu plus de dégâts. Pas améliorer ça, mais bon, pas forcément besoin.
On met 10 000 dollars la... la dague. Zemel Ball. Bon allez, quête principale, s'il vous plaît. Ça, on a compris que là, il y avait des bouffes à battre et tout, mais bon. On fera après. Avançons d'abord. Non, non, je ne me ferai pas avoir. C'est mort. Je ne voulais pas me faire avoir. Écoutez-moi bien. Oui. Je n'ai pas beaucoup de temps. Seigneur Avitus, l'un de nos hommes a succombé dans la cité antique, sous la montagne. Nous avons porté son corps à l'ossuaire, mais il s'est relevé. Oh mon Dieu. Assoiffé de sang. Je suis le seul survivant. Je vous en prie. Tuez-le. D'accord. Plus tard. J'ai besoin de temps pour préparer cela. J'ai besoin de temps pour préparer cela. Petit niveau. Petit ennemi pour un niveau là. Un petit niveau là. Un event. Un petit event. Encore.
encore prêt. J'ai besoin de temps pour préparer ça. J'ai besoin de temps pour préparer ça. Ils viennent tout seuls, terrible. Saphir et topaz. C'est pas non. Bâton magique qui est beaucoup plus puissant, mais une attaque par seconde. Et deux chasses surtout. Oh, et l'armure est meilleure que ce que j'ai. Essence poison, intérieur des dégâts. Ah, j'ai full résistance par contre, donc ce serait un peu con de changer juste pour si peu. Ah, si peu, c'est 110 quand même. Est-ce que l'armure est vraiment nécessaire avec, avec les sorciers? Ça, je ne sais pas. Ok, avançons. C'est quoi ça? J'ai besoin de temps pour préparer ça. Qu'il est. Oh, j'ai tué un monstre extrêmement rare. Je ne suis pas encore. Énorme. Énorme. Énormeux. J'ai un objet. Bâton élémentaire. Oh, plus 4 de dégâts de foudre et tout, là. Oh, la belle prise. Très bien. Pas mis mon point de compétence, il est vrai. Terrible ça. Là je n'avais rien à mettre, je crois. On va être givre. Hop là, comme ça lui il est à fond. Chaîne d'éclair est à fond, c'est très très bien. Et on arrive en la ville. Quand on arrive en ville. Corvalar. Que voulez-vous? La mère supérieure Prava attend ma venue. Ouvrez les portes! Merci. Viggo Mortensen. Vous étiez de bons soldats, assidus au travail, au combat et à la taverne. Super. Mes frères, mes sœurs, puissiez-vous trouver la paix dans ces flammes? Viggo, que faites-vous ici? Vous êtes vivante. Je me suis confessé à Prava. À propos du pot de vin de cette femme. Ça s'annonce mal. Ça s'annonce mal. Je suis sur la sellette. Je n'aurai peut-être plus de boulot quand elle en aura fini avec moi. C'est pas grave, hein. Mérité, hein. Vous êtes venu pour elle, non? Allons-y ensemble. Elle sera peut-être plus clémente avec moi. Non, je veux pas être un faire-part. Faire-valoir. Faire-part. Je vais faire-part de mariage. Peu de gens pourraient supporter vos péchés. J'ai rien fait. Ce n'est pas qu'une simple armure. C'est un artefact divin à la conception sans égale. Je veux. Il peut exalter le pêcheur repentant,
lui faire voir la lumière. Une armure peut-elle faire ça? C'est la foi plus que le corps. Ça ressemble beaucoup à un casque de Blasphemous. Cela dit, seuls quelques individus privilégiés savent comment s'y prendre. La pratique a été abandonnée depuis longtemps. Ah. Quelque chose de terrible se prépare. Une guerre sainte. J'en suis sûr. Sinon, elle ne m'aurait pas demandé de préparer une relique pareille. C'est bien vrai, ça. Ouais, bien vrai. Il y a une qui ressort vers le bas. Incroyable, ça ressemble vraiment à un Blasphemous. Je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, Blasphemous 2 bientôt. Hein. Halte là. Quoi ? Il nous attend. Bonne chance. À la nouvelle commandante de remplacer les forces perdues dans la mine. Alors, vous revoilà. Viggo, ici présent, m'a dit que vous étiez plus brave que lui. D'abord, vous devez vous montrer digne d'une bénédiction. Une guerre sainte ne se gagne pas avec des troupes sans foi. Ne vous y trompez pas. Il s'agit d'une guerre sainte. Lilith a plongé Sanctuaire dans l'éternel conflit. Inarius nous délivrera, comme annoncé dans la prophétie. En attendant, tout le monde a un rôle à jouer. Allez en pèlerinage, jusqu'au monastère d'Albâtre. Purifiez votre esprit. Ensuite, nous pourrons discuter de votre bénédiction. Quoi ? Oh non ! Fichtre. Autant que je me rende utile. Rendez-vous aux ruines, au sud d'ici. Oh là là, terrible. Quête FedEx encore une fois, super. Eh bien, très bien YouTube. Nous allons nous arrêter là pour cet épisode, j'espère que ça te plaît et que du coup tu apprécies ce let's play, long play, je sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas la respécialisation a été effectuée, nous sommes maintenant en chaîne d'éclair, il me semble que c'est ça, chaîne d'éclair. Nous avons bien rebuildé, ça me plaît un peu plus niveau dégâts, l'autre était un peu limitant même je dirais, là ça va, on a de quoi avancer dans l'histoire et sur les ennemis afin de rouler, on a fait moult quêtes secondaires encore une fois, on a dit qu'on allait avancer, malheureusement c'est ce qui se passe toujours dans Diablo, il y a des quêtes FedEx, il y a des quêtes de moments et autres, mais bon, pas moment le streamer d'ailleurs, mais de moments... dans le temps. Bref, merci YouTube d'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne magnifique si tu veux voir les VOD des lives. Et si tu veux voir les lives en live, va sur twitch.tv/MrBaptiste et viens rejoindre, viens parler avec Laura K.O., Achille, Gotham, Ayo et tout le monde qui sont là et qui viennent faire des bisous. Viens aussi faire un petit bisou ou faire un petit béco. Un petit béco ici. Allez, je te laisse. Et un petit pouce bleu. Parle-moi de ton build et dis-moi comment améliorer le mien aussi, éventuellement. Et puis on en parlera dans les commentaires. Allez, petit bisou, des bécos, Thierry Beccaro.